Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. Alors, j'ai fait passer quelques tours, j'en ai fait passer même un certain nombre. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, c'était assez redondant. Alors, pour faire simple, il y avait ici les éravistres, je crois, ouais. Voilà, les éravistes. Les éravisques. Visque. Vices, je sais pas. Qui m'ont déclaré la guerre, donc. Alors que j'étais en train d'essayer de maintenir ma domination sur ce territoire. Et c'était un petit peu problématique. J'étais limite niveau nourriture. J'avais beaucoup de bas quartiers. Pour ne pas arranger le tout, j'ai eu un incendie à Segestica qui m'a fait baisser les revenus encore plus. C'était une galère. Donc ce que j'ai fait, Aldeminium, j'avais deux bas quartiers, donc ça me pompait énormément de nourriture, hein. Je crois que c'est 10 de nourriture, ça prend les bas quartiers, c'est énorme. Donc j'ai amorcé une rébellion, voilà, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a les Daorsi actuellement. Donc j'ai fait en sorte que les Daorsi reprennent leur territoire. Voilà, comme ça, moi je suis tranquille avec les bas quartiers. Ensuite, au niveau de Hacking, donc ils sont descendus, ils m'ont pris Sigingdun pendant que j'étais en train de défendre Yadde, je crois, parce qu'il s'était fait prendre, voilà, que je viens de reprendre, ça se voit. Donc j'avais une autre petite armée, hein, cette petite armée-là, qui a réussi à reprendre Sigingdun à l'aide de mercenaires, bien évidemment. Et cette armée, j'avais réussi à la refaire remonter directement sur leur capitale, donc à Kink. Donc j'ai pris leur capitale, et ils avaient Segestica. De Segestica, vu que là j'avais deux armées, ils sont partis sur Yadé. De à Kink, j'ai pris Segestica. Je sais pas si vous avez vu le truc, du coup, ce qui a fait que j'ai pu prendre entièrement la province. Donc dès que j'ai pris la province, j'ai fait les 10 du pain et des jeux. Hors de public, bouffe, c'est tout de suite allé mieux. Puis il était en supériorité numérique. Donc, je l'ai atterri ici, je crois, quelque part par là. Je sais pas où exactement. Il n'y a pas le. On voit pas les haches. Ah. Putain, la bataille, c'est pas enregistré. C'est pas grave. Bref. Du coup, j'ai fait une fortification pour défendre, tout simplement. Et il a foncé dedans comme un couillon. Et il a perdu son armée principale puis son armée secondaire, enfin presque l'entièreté de son armée principale. J'ai juste eu à fondre sur l'IAD. Et on en est arrivé ici. Donc en gros, j'ai fait un système de rotation. C'est-à-dire que j'avais les territoires d'ici, donc de l'Illyria, c'est Segestica, Sigingdun. Et j'ai fait un système de rotation, c'est-à-dire j'ai préféré prendre cette province, l'emmener sur Illyria. Puis à la fin reprendre Illyria seulement. Et là j'ai encore d'aluminium à reprendre. Oui, Macédoine. Donc la Macédoine est tombée. Ouais, sérieux là? Ouais, vraiment, voilà, Skitty Royal qui s'est bien avancé. J'avais pas vu. Hein. Skitty Royal qui va falloir commencer à calmer un peu. La Macédoine est tombée donc aux mains des Athéniens et des Spartes, avec lesquels j'ai un pacte de non-agression. Je crois que je m'entends vraiment pas trop mal avec. Ouais, je m'entends même très bien avec. Je peux pas faire de commerce. Ah, quel dommage. Pourquoi je peux pas faire de commerce? J'ai bien un port. Ah non, j'ai pas encore de port. Il est en construction. En construction, pardon. Ok, c'est pour ça. Mais j'ai des packs de non-agression, je crois, on peut voir, on est amical, on a une petite aversion culturelle, bon, ça c'est pas très grave, voilà, on est amicaux, et ça se passe bien. Dernier point, Rome m'a déclaré la guerre, ne me demandez pas pourquoi, ils sont en guerre contre la moitié du monde connu, et la moitié du monde inconnu aussi. Non, je rigole, mais c'est presque vrai. Et là, bah, on va y aller sur des tours de
à dire de fortification d'économie, de bâtiments, de construction. Hein? Parce que Le c'était mur de compliqué. bouclier est Les toujours Vénètes me plus proposent fort un pacte lorsque de les frères non-agression, se oui. Pourquoi je fais ça, me demandez-vous? Simplement, ça leur évitera de concentrer une armée ayant peur de moi, surtout les premiers tours. Alors, je sais pas si c'est véridique ou pas. Mais ça peut l'aider. Il est en guerre contre. Il s'entend pas très très bien avec les Romains, donc c'est pas une mauvaise chose si j'arrive à le laisser tranquille. À Kink, je ferai des enclos de chevaux dès que j'aurai un peu d'argent. Là, j'essaie de les faire mourir de faim. Ça a l'air de marcher, ça marche. Et j'irai les piller. Voilà, j'irai faire des pillages là-bas. Je sais pas s'ils sont en guerre contre quelqu'un d'autre, les Dorsi. Non, juste contre moi, voilà. Bon, on va attendre. Attends, je m'entends super bien avec. C'est quoi ce bazar? Les oreilles de mon Ah, peuple sont oui. grandes ouvertes. Ne gâchez pas vos mots. Nous valons mieux que cela. On peut pas les faire rejoindre la Confédération, c'est dommage. C'est pas pourquoi. Non, bah oui, je vais aller piller tranquillement, quoi. Hein? Tant qu'ils attaquent pas Sigildun, ça me va. Champion, bon, il était juste normal. Putain, je gagne vraiment rien en argent, c'est ouf. Populace mécontente, où ça va pas donner. Ouais, mais c'est en augmentation, c'est bon. Hop, on a combien? Un peu de reconstitution, 3 tours. Ça va, là il meurt de faim. En vrai, on n'est pas pressé. On n'est pas si pressé que ça. Wow. Richesse provenant de l'agriculture. Ouais. Ici, ça sera agricole. De toute façon, il n'y a pas photo ici. Ça sera purement agricole. Hop, au niveau moral, c'est bon. Au niveau nourriture, c'est bon. Donc, je retire l'édit du pain et des jeux. Voilà, je préfère tout simplement y mettre. Une augmentation des taxes. Au vu de notre économie actuelle, c'est compliqué. Voilà. Et on va y faire un clos pour chevaux. Ça augmente pas des masses, vous me direz, hein, les revenus, mais. Ça me permettra d'être plus serein au cas où. Allez, on va féliciter l'un pour une fois. Voilà. Un peu de recherche. Et on va sur Delminium. On fait des échelles, on fait un siège. Et ça devrait tomber tranquillement. Voilà, le but est tout simplement de piller Delminium comme il faut. Hein. On a besoin d'argent. Oh oui, là c'est bien par contre. Hop, on a du marbre, on peut pas commercer. On peut. Pourquoi je peux pas commercer? J'ai bien un port. Il y a bien un port Yader pourtant, je comprends pas. Bon. Exactement, il meurt de faim, hein, elle a tout dit. Pas se presser, il a plus de pertes, beaucoup plus de pertes que moi. De 1, ils sont pénurie de nourriture, et de 2, ils subissent un siège. C'est dire à quel point. Notre offre est juste et honorable. À quel point ils sont pas bien. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Vénètes, ouais, pas de problème, on les laisse passer. Au niveau de Sigildun, on est plutôt tranquille pour l'instant, donc je vais les emmener à Akin.
Kink. On ne sait jamais, hein. Je m'entends pas mal avec les bouillins. Je m'entends pas ouf avec les Nori. Donc on n'est pas très très loin au cas où. J'ai vu que elle. Non, pas encore. Voilà, d'aluminium qui tombera. S'il me propose la paix. Demandera de rejoindre notre confédération, ce sera le compromis. Elle est en train de monter cavalerie, même si là je vais pas en recruter clairement. Non non non. Voilà, elle a niveau nourriture les gars, je peux vous dire on va pas avoir de soucis avant un moment. Plus 3% de taux de reconstitution des armées, c'est bien ça. Allez les Orsi, c'est le moment. Non, c'est pas les Orsi. D'Orsi. Allons-nous nous entretuer jusqu'à ce que nos ennemis puissent se nourrir de notre chair. On va rejoindre la Confédération, c'est dommage. Bah, on va les tuer. Hein. Je recherchais la cordigne de chansons et de bière. Je suis déçu de ne pas l'avoir trouvée. Et voilà, un petit pillage en bonne et due forme. Je peux finir mon vin. Ils se terrent devant notre puissance. Courez. Ah bah dis donc, il a fait. Il a eu de la reconstitution en un tour. Hein. La vache. Voilà. Alors, celle-là, c'est notre armée d'attaque. Armée de vétérans, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Waouh! Oh, le moral pour les unités? Ah ouais. Ça, je connaissais pas, tu vois. Ouais, ouais, ça, ce sont des alliés, donc c'est je bon. Suis le poignard dans l'obscurité. Allez, on va développer. Enfin, pour l'instant, c'est cette province qui est militarisée, mais ça changera. Je pense que vous vous doutez. Parce qu'elle a un gros potentiel. Agricole. Ah bah allez, on va juste entraîner de nouveau et améliorer ici. Elle. Ah zut, je pourrais la marier, mais j'ai pas assez. Voilà. On s'est fait pas mal d'argent. On s'est fait pas mal d'argent pendant cette. Bataille, enfin c'est deux tours hein, de bataille. Oh, des rebelles là, ça c'est magnifique aussi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça c'est beau. Des rebelles attaquent les rebelles. C'est génial. Hop, mode équilibré. Je relâche. Et je pille. Et je me barre. Ouais, voilà, encore un petit tour à 3000. Ça fait plaisir. Voilà, mais. Oh ouais, je peux déjà. Ouais, ouais. Ouais, quand même. Ça vient de combien? Ça rapporte pas des masses. Ouais. Allez, on va faire ça. Non, on va continuer à piller, hein. On va continuer le pillage. Et même l'armée rebelle à la fin que je pourrais aller taper. En espérant que l'armée rebelle elle va pas m'embêter moi. Je vais rentrer à Sigingdun au cas où quand même. Non mais vous savez, on n'est jamais trop prudent. Eux, ils vont être surentraînés à force de se taper tous les deux jours. On relâche. Et on pille.
Et on repart. Ah, on va faire ça longtemps, les gars. Tant qu'on n'a pas ce qu'il faut au niveau des bâtiments, on va continuer. Ouais, ce sera Delminium notre pôle recrutement. Quand même juste allons nous nous entretuer jusqu'à ce que nos ah, les pauvres tous les tours ils se font raser. Ah zut, appel du devoir. Ah zut, je vis pour servir mon peuple. Ah c'est bon, c'est pas le cas tombé. Battez-vous pour les ancêtres. Voilà. Hein. 1500, ouais, ils étaient un peu plus riches. On n'attendra pas. Ils étaient un peu plus riches ce tour-là. Ouais. Non, pas intéressant. Ça, c'est mieux. Voilà, on voit qu'on gagne un petit peu plus là maintenant par tour. C'est pas encore parfait, mais il y a du mieux. Faut vraiment se méfier d'eux par contre. Allez, armée rebelle. Mon peuple souhaite vous offrir bah, cet or, de l'argent, dis, si vous l'acceptez. C'est ouf, ça. Non. C'est dommage, ils ont de l'argent, mais je pille pas assez, ça veut dire. Les gars, allez, faut piller, là. Faut piller, mais mieux. Vous ne pillez pas assez bien, ils ont toujours trop d'argent. Relâche, on pille. On va aller les attaquer quand même, l'armée rebelle, et commence à se faire un petit peu trop forte à mon goût. Des verrous, non, de lancier lourd. Ouais, ça apporte pas des masses, hein, tout ça. Alors si ça apporte un peu plus là. Ce sera ma ce sera une zone très très militarisée ici, donc on va continuer comme ça. Ah oui, je vais enfin la marier alors. C'est un moment la pauvre qui attendait comme ça. Ok, parfait. Parfait. 63 ans, eh ben, jurais, elle fait pas 63 ans. Hein. Visuellement, à la faciès comme ça. Elle fait bien plus jeune. Allez, je vais aider un peu d'aluminium quand même. Pour moi, le moral local, il est bon. Hein. Il est à zéro. Hein. C'est pas si mal. Oh, il s'est fait. Ah. Rebelle illyrien. Le moment est venu, les gars. Bélier. Hop. Voilà. Ici, comme on dit, ce sera de l'agriculture. Là, on va pouvoir retourner à Segestica. Ah, je peux encore améliorer. J'arrête pas. Ah oui, mais non, c'est parce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait le village forgeron. Voilà, on va faire tomber d'aluminium. Agresseur Athènes. Obligé. Bah ouais, j'ai un pacte de non-agression. Qu'est-ce qui fait chez moi le Sparte? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui?
m'attaquer. Oh, lui, on sent ce qu'il veut. Ouah, ça coûte cher les archers d'as par contre. Hein. Ils sont pas donnés hein, les unités. Hein. Bon, c'est pas de peau. Hein. Je viens d'arriver à peu près stabiliser mon économie. Il faut direct que je recrute. C'est une belle journée pour mourir. Oh là, bah dis, eh. Comment. Bizarre là, il n'y avait pas toutes ces unités le tour d'avant. C'est moi ou. Où il en a gagné un paquet là d'unités. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc que j'ai pas totalement suivi, c'est pas mal. Je peux pas les deux là. Ça je peux. Oh putain, regardez le coup de maintien des unités est juste énorme. C'est n'importe quoi. Je voulais recruter mais. On va éviter quoi. Ouais, le Sparte. Eh ouais, les Spartes. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Pareil, il meurt pas de faim par contre, hein. Ça c'est. Ça c'est indéniable, il ne meurt pas de faim. C'est pour une histoire d'arbre, les gars. Ça, j'ai pas le choix. On va faire autrement même. Prêt pour vos ordres. Ce chemin est bloqué. Tuez-les. T'es obligé de faire une résolution auto. C'est là où ça passera avec le moins de pertes. Il y a quoi ça? C'est quoi ça? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est chelou leur truc. Hein. Hop, voilà, on reste à portée de renfort au cas où. On ne sait jamais. Hein. Non, le rugement de lancier lourd. Pourquoi j'en ai déjà des lanciers lourds? Ah non, lanciers en armure. Ah. Bon bah oui. Je peux finir mon bain. Voilà, on va quand même se méfier. Ouf. Je suis prête. Au vu des pertes que j'ai eues, ça peut très très mal se passer. Hein. Bon, on va faire quelque chose, on va faire ça. Voilà, on va faire un petit échange. Ce sera mieux pour tenir les murs. Parce qu'on voit quand même qu'il y a Athènes là qui est pas très très loin. Hein. Heureusement que j'ai mes forces concentrices. Purée. Ah, je l'ai pas vu venir ça. Ah, je l'ai pas vu venir du tout. Ah, je suis attaqué de partout, c'est embêtant. Ça m'énerve. Laissez-moi tranquille, bordel. Putain, surtout qu'il est en guerre contre la moitié du monde et il vient m'attaquer en moi, quoi. C'est pas vrai, ça. Oh non, mais lui, il est tombé aussi. Oh là là. Du coup, j'ai la porte ouverte à sur Segestica. L'aluminium est assiégé, pas de soucis, on va attaquer par là. Je peux finir mon bain. Ouais,
j'aurais pas mis en manuel. Pas facile, pas facile du tout. Je vais libérer. J'ai absolument besoin d'argent. C'est... Ah, j'ai eu de la perte. Bon, c'est comme ça. Si lui il m'attaque, c'est la mouise. Bien recrutée en plus, elle est forte quoi, mais. Je vais me ruiner, je suis obligé hein. Je suis obligé, il y a Rome derrière. Hein. Regardez, ça fait mal. Hein. Bon, je vais tout dépenser. Comme ça au moins. Pas de regret. Je fonce à yader. Avec cette armée là. Ouais. Aïe. Oh, putain, il m'envoie la Légio 1 en plus. Ah ouais, c'est vraiment, il a rien d'autre à foutre de sa vie quoi. Ah, il fait un siège. Ah, c'est quelle erreur. Alors là, c'est son erreur. Là, il va juste perdre sa Légio 1. Là, il se prend mes deux armées sur la tronche d'un coup. C'est juste parfait. Voilà. On relâche parce que besoin d'argent, je l'ai déjà dit. Ah, sérieux là. Bon, tout ça c'est du mercenaire donc je dissous. Voilà, ça va déjà mieux en argent. Regardez, ils veulent pas la laisser tranquille, hein, c'est fou. Hein. Voilà, nouveau pôle, on avait dit. Désarmé. Ouais, j'ai encore perdu des unités là, quoi. Ah, les pauvres, ils arrêtent pas de se battre. Hein. Ah, le général, il est. Plus rien en unité. Hein. J'ai de la reconstitution, hein, c'est ça le pire. Alors là, oh là là. Ils arrêtent pas de se fracasser. Mais non! Mais ils m'en envoient une deuxième, une légio en plus, mais c'est pas vrai. Mais c'est fou! Mais il m'a envoyé toutes ses armées sur la tronche. Hein. Bon, bah on va re-recruter du mercenaire. On va reprendre d'y aller. Voilà. Je sais pas si ça passe en vrai. Ça passe pas. Hop, on va envoyer des renforts. Bah, pourtant je suis à portée des renforts là. Ok, d'accord, pourquoi pas. On va équilibrer. Je suis obligé de raser parce qu'il aura changé les bâtiments. C'est chiant. Voilà, ça y est, tu vas te calmer un peu là, Rome, là, m'envoyer deux légios comme ça, gratuitement. C'est fou, ça. Prêt pour vos ordres. Et ouais... En plus, Ouais, et là, j'ai plus d'argent. Bon, ça crame par là, dit. Bon, là, au moins, on n'est pas trop mal. Pauvre armée quoi. Aïe aïe aïe. Il y en a partout les gars, il y en a mais partout. Et heureusement qu'ils contournent pas, ils ont le droit d'accès en plus chez les Spartes. Bon, faut arrêter là. Là faut arrêter au bout d'un moment, c'est pas drôle. C'est lourd. C'est dur, c'est lourd. J'ai pas le choix.
fou ça. Ils veulent pas me laisser en paix. Hein. Au niveau des revenus. Ouais. C'est ça, pas grand chose. Heureusement qu'il pourrait. Il a pas si pourtant il a le droit de passage, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas, je comprends pas. Nous avons consulté les oracles. Il a rompu le pacte de non-agression. C'est ce qui va se passer bientôt. Aïe aïe aïe. Ok, alors est-ce que ça passe ça? Ça passe au prix de lourdes pertes. Arrière, vous tous! Je peux finir mon vin. Et bon, on va lui faire la même. Ah, allez, là. On va lui faire la même. Dépêchez-vous! Payez aux défenses! On se met en fortification. Et on l'attend. S'il veut attaquer. Y'a pas de problème, je l'attends de pied ferme. Alors, on va entraîner ces unités là. Ça coûte cher. Ça coûte cher. En vrai, faudrait que je rentraîne toutes mes unités aussi. Allez, je t'attends, Athènes. Hein? Ils sont bons pour parler, mais ils sont pas bons pour le reste. Hein. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà. Et on fait bien monter les unités. Je n'ai pas combien de tours avant reconstitution. Un partout. Ça me va. C'est très bien. C'est très bien. Je stabilise petit à petit. Je dis bien petit à petit mon économie. Et mes armées. Je vais en avoir besoin. Hein. Je vais vraiment en avoir besoin en plus des armées, quoi. Oula! Ah zut. Elle est morte un peu trop tôt. Ah, la poisse. C'est pas grave. Allez, on améliore. Ah bah du coup, c'est pas reconstitué vu que le général est mort. C'est ça, ça fait littéralement passer un tour. Royal là, ah, c'est bon, c'est calmé. Les Boyens ont repris le dessus. Ouh, les Boyens ont repris sacrément le dessus même. En soit, je préfère que les Boyens soient bien que les Skitty. Au moins à court terme. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour avoir des descendants? Ouais. Je vais quand même les marier, hein, on sait jamais. Ok. Il m'a coûté cher le mariage. Hein. Purée, je sais pas ce qu'ils mettent comme viande ou comme buffet dans leur mariage, mais ça coûte un bras. Hein. Et un sacré bras. Ok. Voilà, il s'est barré. Lui, il fait le tour. Très bien. Recruter du lancier lourd dans ce cas. Ah, c'est un peu long. On va faire ça. Non, quoique on va faire plutôt. Ouais, les technologies agricoles. Allez, on va piller et puis d'abdos. On va libérer, ouais, on a libéré les Ardennes.
Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est la meilleure idée que j'ai eue. Ça coûte combien, ça? 200. Ah ouais. Voilà. Est-ce que je m'entends très bien avec? Je peux toujours pas faire de commerce. Ah oui, ma capitale est pas liée comme ça. Ouais, c'est pour ça. Je peux faire du commerce avec les Boyens. Bah écoute. Venez, mon ami. Asseyez-vous. Non, bon, il veut pas. Ouais, là, j'ai pas beaucoup d'accords commerciaux. Hein. C'est ça d'être isolé de son côté du Danube. C'est compliqué. Eh ouais, c'était prévisible. J'ai perdu mon roi. Ah, mais j'ai de l'argent là d'un coup, j'ai de l'argent qui est tombé, ça c'est cool. Pourquoi j'en ai fait deux? Hein, c'est l'habitude. C'est l'habitude de la campagne avec Rome. Ok, et ok. Alors ils sont combien là? Ouais, il y a un petit peu de monde. Oh, non, méchant. Epidamnos. Ils grandissent comme il faut. Hop, donc je vais aller à Sigingdun. Allez, Epidamnos, au moins j'aurai le temps de voir venir si jamais il y a un souci. Je vais pouvoir recruter à nouveau. Waouh. Deux de nourriture volée. Ah ouais, ça déconne zéro. Ici. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je passe le tour avant, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On peut voir, c'est très mouvementé hein, comme style de jeu par rapport à la partie précédente. C'est très 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 mouvementé. Encore un nouveau chef. Ah ouais, je perds le roi, le chef. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. Allez, c'était Tchob. Ciao !